l'année. Je sais même plus où faut que j'aille. Par ici. J'avais déjà ramassé le merdier ici, il me semble. Wesh. Je vois que je peux appuyer sur un truc là, mais en fait je peux pas. Ah. Ah, pour. Ah, donc une fois ici, ah, je pouvais monter. Faire une tyrolienne par là. Ok. Super. T'as fait une carte des lieux qu'on a traversé? Merci, BD1. Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. D'accord. Comment ça, je peux pas m'accrocher là? Tu te fous de ma gueule? J'ai vraiment aucune idée d'où je dois aller. Je prends la tyrolienne dans l'autre sens, non? Non, évidemment que non. Par contre, je peux sauter là. Voilà. Calme, calme, s'il te plaît. Non, il se passe rien. Oh. Allez vous faire foutre la faune et la flore. Ah non mais aïe. Wesh, je me fais défoncer. D'accord. Merde! La Théon! Je sais plus comment on joue! Oh bordel! Allez-y les Oreos, remontez-moi le moral! S'il vous plaît, les Oreos, yes, cette paille. Ah. Allons-y, BD1. Oui. Allons-y, BDI. Il y a quoi d'autre ici?
Allez, je fonce vers mon destin. Bon, ils sont où les enfoirés là? Putain! Bon alors, qu'est-ce que... Scanner? Non mais... Putain de conneries. Tu peux pirater ça? Un vrai pour ton connecteur. Mais face à ce pograte, fallait oser. Nouvelle poignée de sabre. Eh ben écoute. Ah oui merde, tu es revenu là du coup. Oh. Cette fois, je vais essayer de faire ça en appuyant sur la bonne touche. Ah, d'accord. Donc c'est bel et bien un truc qui marche pas. J'ai cru que j'étais très teubé, mais en fait, je suis juste un tout petit peu teubé. Oh, ok, je reviens là. Par contre, ça me dit pas trop où je dois aller, j'avoue. Pute. Beau travail. Merci. Il y avait un camp ici. Sûrement quelqu'un sur les traces d'une créature géante vivant par là. Un binog apparemment. D'accord, et je remonte là. Okay, j'ai vraiment aucune idée d'où je dois aller en vrai. Parce que là, il y a une espèce de gouffre, mais je sais pas du tout comment. J'avais pas vu toi. Par contre, j'avais pas vu qu'il y avait une autre tyrolienne là. Tiens, encore un écho. Ah non, c'est le truc de méditation, ok. Arbre de compétences, oui, je crois que j'ai gagné un point. Je vais augmenter la santé, tiens. Bon, donc maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Ici peut-être ? Il y a un écho là. Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Ça nous aide dans quoi ? Je peux sauter là-dessus ? Non.
Allez, l'autre tyrolienne qui descend encore, ok. Tout la boum. Ah merde, c'était carré. Yeah. Non mais... Oh, y'a un gros truc là. On doit s'enfuir. Ok, ça marche. T'as raison, Chopinet, c'est mieux de s'enfuir. Oh, encore trop de méditation, ok. Bon, c'était pour sauvegarder, en fait. Bon. Bon, bah, visiblement... Aïe. J'entends un gros truc qui ronfle plus loin. Tu vois quelque chose? Oh, je peux courir sur les murs maintenant. Essaie encore. Ah. C'est difficile, maître. Oui, je sais. Cette voie n'est pas facile. Ah, il a même la petite elle mèche de merde là des Padawan. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. D'accord, déjà juste tombé là, ça commence bien. Wesh. D'accord, maître. Bah oui, mais comment je fais pour remonter, maître? T'es marrant. Mais ta gueule. Ah d'accord, c'est ici. Bon. Bien, Padawan. Merci. J'ai fait un entraînement avec Jack Cooper. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste de quelques trucs. D'accord, par contre, je peux pas le faire en vertical. Ok. Hé, Médéen. D'accord, maintenant je peux courir sur les murs. Tu peux me remontrer ce raccourci? D'accord, donc apparemment je suis censé savoir où on va. Ce mur qui était totalement là avant. Doucement. Qu'est-ce que c'est, Bélien? Un interrupteur. Attends, du coup, mais comment je suis censé...
Au nom de quoi je peux pas courir sur ce mur? Wesh! Mais fous-moi la paix! Je t'ai rien fait! Putain. Alors, raccourci. Oui, il faut que je remonte. Ah, je vais méditer, je vais récupérer mes Steam Packs. Non. Ah, c'est vrai que j'ai oublié qu'il s'accroche pas automatiquement au truc. Putain, quel système de merde d'ailleurs. Touche qui peut servir à plein de trucs, ça sert juste à ne pas mourir. C'est intéressant ça comme concept. Pute ! On reste concentré, mon gars. On reste concentré. Bon, donc c'est ici que je peux courir sur les murs maintenant, bordel de merde. Voilà. On fait la course? C'est parti. Non, je vais me faire battre par un robot miniature. C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. Et ben voilà. Impressionnant. Encore un scan ? Est-ce que ça va, BD? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre de Jedi. Pardon? Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efous. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire.
les noms de tous les enfants de la galaxie sensible à la force et leurs emplacements. Oh, rien que ça. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la force comme l'ont fait les Zéphos autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Zéphos. Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Oui. Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé! Tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis ? Oh ! Ok, donc là, je suis censé retrouver... Donc c'est ça, je suis censé retourner au vaisseau maintenant, très bien. Non, attends, avant je voulais fouiller, hein. je vais fouiller un peu. Ça, a priori, c'est une porte que je ne peux pas ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Une autre porte que je ne peux pas ouvrir. Eh ben, c'est parfait tout ça. J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons. Alors, oui mais non. Putain, j'avais cru voir une... J'ai cru voir une zipline, attends. La merde, j'ai rêvé. Salut. Que c'est. Mon ami, il semble que les Zéphos portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Il doit y avoir une raison. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Ah, effectivement, on est déjà presque arrivé. Oh, on dirait un Evoli.
Des évolis qui rebondissent. Ouh, j'ai eu chaud, putain. Ah, effectivement, c'est plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Scanner? Beau travail. Il est trop mignon, ce druide. Wesh. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise. C'est quoi ça? Vire sur mon canapé. Ouf, descends de là. Allez, fiche le camp. Allez. Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, calme. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Ah oui. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. Oh. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Oh. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y. Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire, et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir, et le monde natal de ses Efaux. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je trouve que t'as des gros yeux. Voilà ce que j'en pense. Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? Bah oui, parce que sinon il n'y a pas de jeu. D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Je pense qu'on va commencer par Zepho. Planète suivante. Ouais, on va commencer par Zepho. Quand tout sera terminé, je crois que j'aimerais bien m'installer, tu vois, tomber amoureux, fonder une famille. Amoureux? Toi? Bah quoi, tu crois que j'y connais rien à l'amour, c'est ça? Je suis sûr que tu vas m'éclairer. Mais certainement, c'est très chouette, mais faut trimer. Ça demande de l'attirance, de la dévotion, de la passion. Et aussi du respect. Grise, je vois que tu as travaillé la question. Eh ouais, bah c'est l'expérience, ça. J'ai un physique qui fait chavirer les cœurs. Grave. Bien sûr. Je pense que je peux m'asseoir quelque part en attendant. Tiens, c'est quoi ça? Eh, hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes.
Hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature ? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'homme barat bien épaisse, y a rien de plus bon. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. Dedans, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hey, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Viens. Je te contacte une fois que c'est réglé. J'espère que tu n'auras pas trop froid, Choupinel. Cal, par ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fait du bon travail sur Bogano. Merci. Plus on aura d'informations sur Cordova et les époux, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova était fasciné par les Efo, et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Merci. Je reviens tout de suite. Fais attention, Bélé. Ils ont l'air dangereux. Pute. Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin d'aide. Ah, pas grand-chose par ici. Ok, on voit vraiment rien par ici. Ah d'accord. Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. C'est vrai que je peux faire ça aussi.
Non, je peux pas. Bon, je vais sortir d'ici parce que ça a l'air d'être un piège à con. Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Oh. Eh les mecs, vous allez où comme ça? Écartez-vous, je m'en charge. Allez-y! C'est le Jedi, suivez-le! Bah, oh! Soyez sur vos gardes! Un autre truc! On va lui arrêter son compte! Il bouge vite! Abattez-le! Je m'en occupe! Incroyable! Juste comme ça, les mecs, c'est quoi exactement un Jedi? T'imagines tellement le pseudo-héros qui dit ça, qui se bat avec un sabre laser, qui a pris la force au pif. Que des mensonges. L'Empire voulait seulement. Et qui est en mode, c'est quoi un Jedi? Je suis pas un Jedi, moi. Pardon ? La tête de la poursuite. La cible est touchée. Toutes les squads ont péri. Merci bébé. Par contre, j'aimerais bien me soigner là, si c'est possible. Un truc de méditation. Oui, non, non, oui, non. Bon, bah tant pis. Je vais mourir. Je vais aller voir. Ah, méditation, merci. Non, c'est pas ça, c'est un écho. Laissez-moi méditer. Où est-ce que vous nous emmenez? Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore. D'accord, mais maintenant je dois aller où? Attends, j'ai cru voir un passage là-haut. Oh! Quelque part, je pense. Voilà, par contre, j'aimerais bien sauvegarder juste parce que ah bah d'accord. Bah j'étais surtout mourant et vous m'avez pris par derrière, donc enfin. Laissez-moi looter. Laissez-moi. Par contre, je sais pas du coup à quel moment c'est à sauvegarder.
On verra bien. Peut-être à l'écho. Quoi? Oh non, c'est quoi cette blague? Bon bah... Bon bah je sais où, je connais déjà le chemin au moins. Non, j'ai pas envie. Allez vous faire foutre. Je vois pas de quoi tu parles. Je t'en prie. Non. Besoin d'un steam. C'est beaucoup mieux. En fait, ce qui serait bien, c'est que je trouve l'endroit pour sauvegarder, juste. Bon bah là, du coup, je sais qu'il y a les couillons qui vont me tirer dessus. Salut mec. Ça joue entre toi et moi, Jedi. Bon. Ok, donc ça m'a fait arriver là. Et là, il y a... C'est un écho, ça, ou un point de sauvegarde? Non, je crois que c'est un écho. Non, c'est un point de sauvegarde. Putain, il était temps. Bon, et bah écoute... deux points de compétence. Voyons, voyons. Garde supérieure, ça me plaît bien. Et l'autre, de l'autre côté, c'est quoi? Ralentissement amélioré. Non, garde supérieure, ça me plaît plus. Et en plus, ça coûte qu'un point. C'est-à-dire qu'après, je peux apprendre un autre truc. C'est plutôt cool. Et un autre pour un, attaque chargée.
coup de pied évasif. Ah, coup de pied, ça me plaît bien. Ou frappe sprintée. Non, je vais prendre le coup de pied. Ah mais non, mais il faut forcément que je prenne l'autre truc avant. Dommage. C'est pas mal. Voilà, donc je me repose et on s'arrête là. Allez, à plus, choupinet.